Vous recherchez une coque pour bassin de jardin? On va voir le top 3 des meilleures coques de bassin. Et avant de commencer, sachez que vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo pour en savoir plus. Allez, est-ce que vous êtes chaud pour le numéro 1 de cette sélection? Il s'agit d'une coque de bassin préformée avec une capacité de 150 litres. L'avantage de ce bassin, c'est qu'il a été moulé avec une forme un petit peu irrégulière. Et sur le côté, vous pouvez voir en fait qu'il y a la place de, par exemple, installer des plantes. On a en fait sur la partie gauche une partie là où on va pouvoir mettre quelques plantes, des plantes aquatiques. Au niveau de son poids, il pèse seulement 2,5 kg, donc ça reste tout à fait très léger. Il est facile à placer, facile à installer. Ça reste quand même un petit bassin. On va en voir d'autres un peu plus grands juste après. Mais en tout cas, pour le prix, ça reste un beau bassin. Je vous laisserai regarder ça plus à détail. En tout cas, les clients en sont très contents. Il est bien noté, 4,4 étoiles sur 5 pour plus de 340 évaluations. Et ça sera le lien numéro 1 en description. On va passer maintenant au numéro 2 de cette sélection. Celui-ci sera beaucoup plus volumineux. On est sur une capacité de 750 litres pour celui-ci. Donc ça sera également un bassin préformé. Et on trouvera plusieurs niveaux sur ce bassin pour pourquoi pas mettre des plantes à différentes hauteurs. Il aura une hauteur celui-ci de 60 cm, 1,40 m de large par 2,10 m de long et un poids de 17 kg environ. Il sera un petit peu plus lourd, mais après voilà, il y a plus de matière du coup étant donné qu'il est plus grand. En tout cas, c'est un très beau bassin avec pas mal de fond si jamais vous voulez mettre quelques poissons. Un bassin d'ailleurs très bien noté, 4,9 étoiles sur 5 pour 55 évaluations à l'heure actuelle. Et on notera qu'il s'agit d'un bassin facile à installer. Très satisfait de cet achat. Je vous laisse regarder ça plus dans le détail. Ça sera donc le lien numéro 2. Et le dernier de cette sélection, le voici. Alors lui aussi, ça sera un très petit bassin qui va faire 70 litres avec des dimensions de 58 par 58 par 30 cm. Alors ça sera bien pour faire pourquoi pas une fontaine ou alors un petit bassin si vous n'avez pas énormément de place. Il va peser seulement 1,1 kg. Après, à vous de voir si vous voulez un bassin plus grand ou non. En tout cas, ça sera une taille compacte et les clients en sont vraiment très contents. Très, très bien, bon article. Bassin très sympa, expédition rapide et article conforme à la description. Une note moyenne de 4,3 étoiles sur 5 pour plus de 300 évaluations. Et vraiment, voilà, les clients en sont très contents. Donc ça, c'était pour le numéro 3. Après, à vous de voir suivant la taille que vous souhaitez avoir. Donc le 2, ça sera le plus grand. Après, on aura le numéro 1 et on finira donc par le numéro 3 qui sera donc le plus petit. Comme je vous ai dit, donc vous avez tous les liens en description de la vidéo si jamais vous souhaitez en savoir plus. Ça vous dirigera sur chacun des produits directement sur le site et ainsi vous pourrez comparer les prix, voir plus de caractéristiques, affiner votre recherche et pourquoi pas en commander un. N'hésitez pas à me dire celui que vous avez choisi en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao.